Eh bien, nous, aujourd'hui, on essaye de passer un petit peu le temps et de s'occuper. Et on a décidé de faire un... Quoi dans ma bouche? Et quoi dans ma bouche? Comment ça, t'as trop peur? Alors, on va alterner des choses qu'elle aime bien et puis des choses qu'elle aime pas. Et il faudra qu'elle devine ce que c'est. Il faut faire chifourmi pour commencer. Oui. Comment ça marche, chifourmi? Ah oui, chifourmi. Alors, du coup, c'est moi qui commence ou que je gagne? Et oui, c'est toi qui commence. Ça veut dire qu'il faut que je mette le masque, c'est toi qui... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, toi, tu me donnes et moi, j'écoute. Alors, toi, tu mets le masque et je vais te faire goûter ce que j'ai sous ma petite cloche. C'est ça? Oui. Alors, en général, ça commence soft, on va dire. Mais non! Ça y est, tu ne vois rien? J'ai l'impression qu'il va avoir de... Mais non. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est... Oh, ça va. Bon, elle n'aime pas trop trop, mais c'est pas l'aliment le pire. Au contraire. Oh. Allez, on ouvre la bouche et on essaye de deviner ce que c'est. Confiture. Confiture de quoi? Le... Confiture de lait. Allez, on ferme la bouche. Mais elle a marqué un point parce qu'elle a deviné la confiture de lait. En fait, elle n'aime pas la confiture de lait. Mais j'ai trouvé que c'était... que ça allait. Elle est partie cracher. Non. Et c'est Lilou qui adore la confiture de lait. Allez, reviens, reviens. Donc voilà pour le... premier. Tu commences avec des choses gentilles pour moi. Alors, est-ce que je cache mes yeux comme ça ou est-ce que tu me prêtes son masque avec la jolie licorne? Voilà. Ça en fait du bruit, ça. Ouais, ça, j'adore. Oui. C'est du caramel. Oui. Caramel. Ça fait un point chacune. C'est des berlingots de caramel qu'on a ramené de Bretagne. Par contre, j'aime pas parce que j'avais goûté. Mais... Quand on pouvait encore sortir, ils sont au sel de Guérin. Ils sont super bons. Là, je l'apprécie, tu vois, parce que je sais que c'est pas demain qu'on pourra. On est déjà dans la bouche. Que c'est pas demain qu'on pourra le chercher. Donc, un point chacune sur ces premières manches. Moi, c'était horrible. Et on va préparer la deuxième manche. Oui. On a préparé notre deuxième petite cloche. Voilà. Alors, c'est toi qui as commencé tout à l'heure, c'est moi qui commence? Non, bah, c'est moi parce que tu l'avais fait. D'accord. Alors, c'est à moi de lui faire goûter un aliment. C'est bon? Elle voit plus rien. Ça va. C'est soft encore. Alors elle aime pas grand chose Zoélie, donc tout ce que je vais lui proposer forcément... Ça va, il y a des trucs que j'aime. On ouvre grand la bouche. Et on la referme. Pâté. C'est du pâté, oui, mais pour manger. Ça va. Il y a deux petits bouts. Ça va, parce qu'elle aime pas trop ce qui est charcuterie et ce qui est viande en général, mais là... Moi j'adore le pâté, mais... Sur une tranche de pain. Mais là, ça va, elle a goûté. Donc, un point pour elle aussi. Et deux, c'est... j'en ai deux. Oui, deux points pour elle, un point de plus. Et maintenant, c'est moi qui vais mettre le masque. Qu'est-ce qu'elle me réserve à la cocotte? Je vous ai réduit un peu. Un peu plus. Je sais pas ce qu'elle me réserve. Ouais, ça va. Allez. C'est du tabasco. Oui. Oh la vache. Prends du pain. Normalement, il faut remettre une petite goutte. Oh, il y en avait pas assez pour moi. Je vais t'acheter un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Ça chauffe.
7 petites gouttes, elle m'a mis. Mais elles sont natures, elles sont pas diminuées. Bon, alors on va préparer la troisième manche. Et je crois que je peux la manger. Allez, câlin, oui. On prépare cette troisième manche. Ouais. C'est parti. Ah ouais, j'ai vraiment stressé. Alors, troisième manche, elle est stressée parce qu'après le tabasco, elle se demande ce que je vais lui préparer. Oui. Alors, qui c'est qui commence? Non, après le pâté. Oui, mais moi je vais commencer parce que j'ai du tabasco, ça fait pas piquant encore d'ailleurs dans la bouche. Mais t'as qu'à prendre du pain. Oui, bon. Alors, qui c'est qui se bouche les yeux? C'est toujours moi. C'est toujours toi. C'est toujours... Allez. Voilà. Cette fois j'ai été beaucoup moins sympa. Je sais pas si elle va reconnaître. Je sais pas du tout. Donc je vais juste en prendre. J'en ai combien? J'en prends juste un. Un tout petit. On ouvre la bouche. Non. Elle l'a craché. Elle l'a craché. Alors c'est quoi? C'est un capre. Je savais qu'il n'aimerait pas. Je savais pas ce que c'était. Voilà, c'est un crapre. Donc un capre. Donc cette fois tu marques pas le point. Alors ça va être à moi de me boucher les yeux. J'ai peur. Allez, je me bouche les yeux et on va. Je crois que ça va être piquant, je ne sais pas. Essayer de deviner ce qu'elle a. Je crois que c'est piquant, mais je suis pas sûre. Tu crois que c'est piquant, mais c'est pas encore du tabasco? Ah non. Bon, ça va. C'est pas du tabasco. Il faut savoir que si on a du tabasco à la maison, c'est parce que mon papa aime relever et épicer, alors que aucun d'entre nous, mes enfants et moi, nous. J'en ai pris pas mal. T'en as pris pas mal. Au moins une petite cuillère. C'est du guacamole. Je sais. Oh oui, je crois. J'ai deviné, c'est du guacamole. Je crois bien. Oui. Alors celui-ci, ça va. Il est doux. Piment. Pour moi, ça picote un peu. Un piment. Mais il est doux. Oui. C'est juste un piment. Alors c'est vrai que nature comme ça picote un peu. Mais quand on le, quand on trempe des choses dedans, c'est mieux. Ça enlève un peu le tabasco. Alors qui c'est qui passe devant là? Oui. Allez, allez. Tout. Voilà. C'est maman qui passe devant. Parce qu'elle a tout deviné. Donc maman, elle a 3 points. Et Zoélie, elle a 2 points. Et nous allons préparer la quatrième manche. Ah oui, quatrième. Non, tu ne sauras pas ce qu'il y a dessous. C'est la quatrième manche. Oui, il y a beaucoup de bruit. Allez, quatrième manche, c'est qui se couvre les yeux? C'est toujours toi. Allez, tu te couvres les yeux. On est couvert. Voilà, j'ai pris une petite. En principe, elle aime, mais est-ce qu'elle va reconnaître? Hop, mon grand, on croque. Poivron. Du poivron! L'imbi. C'est pas le même goût que le poivron rouge parce qu'elle a une préférence pour le poivron rouge. Mais quand on est allé faire les courses, il n'y avait plus de poivron rouge. Alors on a pris un poivron jaune. C'est moins sucré que le poivron rouge, mais tant pis. Non, ça va. Allez. Je commence. Donc t'as marqué un point. J'ai marqué 3 points. Donc oui, t'as un total de 3 points. Et c'est à moi. Fait bien du bruit, je ne sais pas ce que c'est, j'ouvre la bouche, j'attends, mais il ne se passe rien. Ah, c'est de l'air. Ah, c'est de l'air. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je devine. Alors là, j'avoue que je suis très intriguée. Mais c'est dur à prendre. C'est dur à prendre. Qu'est-ce que c'est? On voit pas, mais en fait, je fronce les sourcils sous le masque. Vraiment, il faut que j'ouvre la bouche.
Elle est en train de faire une vinaigrette, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'œuf. Oui. En fait, c'est de l'œuf cru. J'ai pas du tout reconnu. Oui, j'en ai un petit peu sur le pull. Je n'ai pas du tout reconnu. Donc, on est à 3 points chacune. On est à égalité. Et elle est déjà partie pour préparer la quatrième manche. Non, cinquième. Cinquième manche. Elle se cache déjà les yeux pour la cinquième manche. Ah, tu me vois? Non, faut pas tricher. J'ai encore de l'œuf là. Là, je vois plus trop. Tu vois plus trop? Bon, alors j'y vais. Ah, tu me fais combien de doigts pour savoir? Hein? Tu me fais combien de doigts? Je te fais combien de doigts? Devant moi, j'en ai combien des yeux? J'en ai combien? 6. Bref. Voilà, je choisis ça, c'est très doux. Ça a l'air très bon. Et puis je pense que le prochain, je suis en train de réfléchir. Je t'ai pris un truc hyper bon, moi. C'est vrai? Ouais. Allez, on ouvre grand la bouche. Kéré. Oui, du kéré. Ça sent rien. Sans plus. Bon. Elle aime bien le kiri. Elle le préfère tartiner sur du pain. Mais voilà. Donc c'est moi qui me cache les yeux. Du coup, elle en est à 4 points. Ouais. C'est ça. Toi, tu vas deviner. Ouais. Ok, je te dis un petit. Oui, j'adore. C'est les petits biscuits ronds au Nutella. Ils sont trop trop bons. Je les adore. Ben là, on est en train de se faire plaisir. Sur cette. Pardon. Cinquième manche. Et on a marqué chacune un point. Donc on est à 4 points chacune. Et on va préparer la. Sixième manche. Alors, je vais envoyer à Perpète, comme on dit, pour préparer cette nouvelle manche. Voilà. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Toc, 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 toc. Non, je tiens bien ma petite cloche. Qui c'est qui commence cette fois la dégustation? C'est toi qui commence? T'es tranquille. D'accord. Donc, tu te bouches les yeux. Cache. Alors, voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée chercher. Regardez comme c'est joli. J'ai soigné la présentation. Et là, ma chérie. Oh, papa, on ne triche pas. Tu vas prendre le verre parce que c'est un verre dans tes deux mains. Et tu vas me dire ce que c'est. Du jus? Du jus de quoi? Non, c'est pas du jus de raisin. Je sais pas quel jus. Cherche bien. Je vous montre, c'était du sirop de violette. Voilà, et on a des petites violettes dans le jardin. Alors, je suis allée chercher les petites violettes dans le jardin. Oui, c'est quand même du jus. Elle veut le point, elle me dit c'est quand même du jus, c'est du jus de fleurs. Oui, d'accord. Alors, elle a le point, ce qui lui fait 5 points à ma loumoute. Et c'est à moi de mettre le bandeau. Ça va, c'est bon. Voilà. Non, attends, maman. C'est pas encore prêt. Ça y est, elle va refaire une omelette. Moi, je vous le dis, là. Ouais, je t'ai pris un œuf. Je suis toujours inquiète quand ça prend du temps. Allez, je t'en ai pris un petit peu. De la moutarde? Oui. Oui, c'est de la moutarde, j'ai deviné. C'est ça. Je la préfère avec quelque chose. Je t'en ai pas pris beaucoup. Ça va, oui, elle a été correcte. Donc on a marqué un point toutes les deux. Voilà. Oui, on va la laver. Oui, avec ça fait 5 points chacune et on va se préparer pour la. Septième manche. On en a fait quand même 7. La moutarde. On a préparé nos
septième cloche. Tu vas le regretter parce que moi c'est un truc. Tellement c'est bon. J'en ai pris deux. C'est bon pour de vrai ou c'est oui, bon c'est très bon. C'est très bon. Elle est coquine. Bon, qui c'est qui se bouche les yeux? C'est toi qui te bouche les yeux. J'ai pris quelque chose qu'elle n'aime pas forcément. Pourtant, qui est bien bon ça pour la santé. Ça commence par quelle lettre? Ah ah, ça commence par... On ouvre la bouche. Ah. Avocat. Oh bah non. C'était sur la lèvre. C'était sur ta lèvre et t'as deviné. Elle a à peine touché l'avocat. Non mais après j'ai une chaleur dans ma lèvre. C'est bon l'avocat. Tiens. Tant pis pour elle. Tiens. Elle aime pas l'avocat, mais elle a quand même marqué le point parce qu'elle l'a deviné, je sais pas comment. Peut-être qu'elle a un peu triché, non? Yeah. Ok, oui, j'ai triché. Là. Donc ça fait... Alors je te mets le point ou non? Allez, on va dire que oui. 6 points pour Zoélie. C'est l'appel de l'estomac et l'appel du goûter aussi, non? Donc j'ai marqué un point aussi. On est toujours à égalité avec 7 points chacun. 5! Non, 7 ma chérie. Et là on va faire la 8. 5! On a 5 points chacune. Oui, et on va faire la 8. Chérie. 8ème manche! Elle a pris le jus. On a pris le jus. Bon. Pour cette 8ème manche, c'est toi qui attends? Elle attend. Ça. Parce que déjà, oui, elle va reconnaître. On va juste... On ouvre grand la bouche. Je pense que pour l'avocat, elle avait triché. Parce que la bouche, c'était pas aussi bien ouverte. C'est quel chips au poulet? C'est des chips au poulet? Oui. Ah ben, je crois qu'elle les aime. Je les adore. Je crois qu'elle les aime. Donc, elle a marqué un point. 5 points. Je mets le masque. Oh. Je n'ai pas envie de me salir les doigts. Ah, ça salit les doigts? Non. J'ai cru que c'était une pomme, une petite pomme, alors j'ai voulu croquer. C'est l'oignon. Tu mériterais que je te le fasse à manger. Bon, mais j'ai marqué le point quand même parce que j'ai deviné que c'était de l'oignon. Et puis alors, je vais avoir le la laine d'oignon pendant un petit moment. Je vais te faire les petits bisous là du soir. Ma petite bisou. Ma petite bisou. Viens faire un bisou à maman. Voilà. Comme ça, on peut pas dire. Et ça veut dire que là, on va préparer la neuvième. Neuvième et avant-dernière manche. Qu'est-ce que je vais lui réserver? Moi, je vais prendre un truc bleu. Mais la fin, c'est un truc bleu. Ah oui, c'est pour que je te mette un truc bon. Là, t'as l'air de te régaler, hein. Je te allez. Promets, je te mettre un truc bon. On prépare cette neuvième manche. Ouais. Elle est toujours en train de manger de ses chips au poulet. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. Bon. Hier, là, mais c'est même pas qu'un match. Pour cette neuvième manche, ma chérie, c'est toi qui coûte en premier? Je crois que c'est toujours elle qui a goûté en premier. Donc on met bien son masque, on ne triche pas, on a des petits yeux de là. Et on ouvre grand sa bouche. Un truc qui pique? Non, c'est pas un truc qui pique. Citron. Elle n'a même pas mis à sa bouche, elle a dit citron. Non, ma lèvre et ma langue, elle s'était comme ça. Ça pique. Mais c'est un citron vert.
On a reconnu le citron parce que ça a à peine effleuré. C'est vrai. Bon, ben zut, alors moi je voulais que tu croques dedans parce que je sais que tu aimes pas le citron. Mais pourtant, c'est un citron vert, donc c'est doux le citron vert. Elle a marqué le point. Donc ça fait 8 points pour Zoélie et c'est moi qui vais mettre le masque. Non, pas de chips, merci ma chérie. Pour savoir ce qu'elle me réserve. J'espère que c'est pas de l'ail cette fois, parce qu'après l'oignon, si on avait l'ail, bouffe. Allez, je mets le masque. Non, je crois que non. Ouais. Je sais pas, enfin j'espère du moins. Si c'est de l'ail. J'ose pas trop ouvrir. Je pense que c'est de l'ail. J'ose pas trop ouvrir la bouche en grand. Qu'est-ce donc? Non, ouvre la bouche. C'est une noix de cajou. Ouais. Ça va, j'aime bien les noix de cajou. Tu vois, j'ai. Elle a été sympa. Ça n'a pas été sympa du tout. Non, elle n'a pas été sympa. Ça va, c'est moins pire que l'ail. Et que l'oignon. Ou que le tabasco. Tabasco, c'est trop bon. Bon, cocotte. On prépare la dernière manche. Non, tabasco, c'est pas bon. Faites. Allez, dernière manche. T'as toujours pas fini ce paquet de chips? Presque. Presque. Elle a déjà mis le masque, ça veut dire... Ah ben non, faut ça veut dire que c'est elle qui va deviner quoi dans ma bouche sur cette dernière. On échange? On échange? Moi, je peux échanger. Allez. En ouvrant la bouche, mademoiselle. Oh, si j'avais su qu'elle ouvrait aussi grande, j'aurais pris autre chose. Barbecue. Sauce barbecue. Oui, elle a trouvé. C'était beaucoup, beaucoup. C'était mais beaucoup. Non, une petite cuillère de rien du tout. C'était sauce barbecue, elle a trouvé. Et maintenant, c'est moi qui vais mettre le masque. Pour savoir... ce que c'est qu'elle m'a réservé. Voilà, j'ai mis le masque. Ouh là là. Est-ce que je vais... C'est une pomme. Ouais. J'ai deviné. Et voilà, j'aime bien les pommes. Ça tombe bien. Égalité. Donc en fait, on finit à égalité toutes les deux. On fait une dernière manche pour nous départager. Mais si on fait une dernière manche, tu mets quelque chose d'un peu vache. Hein. T'es d'accord? Ouais. Oui. Bon, dernière manche pour nous départager. Je lui concocte quelque chose, je pense qu'elle va regretter. Oui, on aurait pu finir à égalité, mais là... J'ai les yeux fermés. Elle a les yeux fermés et moi j'ai la cloche fermée parce que ça déborde un petit peu de la cloche. Et Zoélie a voulu faire une dernière manche pour nous départager parce qu'on était à égalité. Oui, oui. Ça. Et donc je soulève la cloche, je vais lui faire goûter ça. Le bruit, ça a l'air bizarre. Le bruit, ça a l'air bizarre. Elle a un peu givré. En ouvrant la bouche. Glace à la fraise. De glace à la fraise, oui. Mais tu peux gibrer. Elle a deviné la glace à la fraise. Il y avait un goût. Elle n'est pas comme la fraise, mais sinon elle a un goût. Oui. Un peu comme la fraise. Voilà, donc comme elle dépassait un peu de la cloche, j'avais. Donc moi je vais mettre le masque, donc Zoélie marque encore un point, donc ça lui fait 9 points, moi je suis à 8 points. On va savoir qui va gagner, ça peut être encore une égalité, hein, tu sais pas, Zozo. C'est une égalité, on fait une dernière. D'accord. Alors je sais pas. Ah, c'est dur à ouvrir. Je vais prendre mon t-shirt pour l'ouvrir. Ah, qu'est-ce qu'elle va ouvrir? Non, c'est trop dur. Est-ce que je peux t'aider? Oui.
J'essaye de reconnaître le pot, mais pourtant, c'est moi qui fais les courses. Non, il y a papa aussi qui fait les courses. Ouais. J'arrive pas à savoir ce que c'est que cette paille de pot. Pourquoi elle tousse? Ça paraît un petit peu petit pour un pot de moutarde, cornichon encore plus. C'est quoi dans un petit pot? On n'a pas de confiture aussi petite. Le miel, c'est dans les plus gros pots. J'arrive pas à savoir ce que c'est que ça, ce peut petit être du pot. Citron. Du citron en pot? Non, pas trop. Si. Ah bon? Allez, ah! Ah! Si tu ouvres les yeux, tu peux plus deviner. C'est du truc que papa il aime bien. J'ai pas deviné. Du gingembre. Ça sent fort. Oui, c'est fort le gingembre. Ça sent fort. C'est des, du gingembre en fine lamelle, je me souvenais pas le nom. Mais c'est assez fort. Oui, oui, c'est voilà, du gingembre. Eh ben, j'ai pas deviné le nom. Enfin, je l'avais sur le bout de la langue, c'est qu'à de le dire, mais je ne l'ai pas dit. Ce qui fait que c'est la Miss Zozo qui gagne. À 10 points. Elle a, oui, oui. Oh. Bravo, 10 points sur 9 points. Voilà, Kaki Toulou, t'as gagné. On va vous faire à tous plein de gros bisous. On espère que cette vidéo vous a plu. Et à très, très bientôt.